bienvenue dans ce 22e épisode d'I Love BTB Weekly Update avec cette semaine le match à l'affiche entre les FDL et les Magic. Côté FDL, Rafi, Daemon, Draven, Kakistos, Nightmare, Nat 117, Nero et Mepha, soit l'équipe type. Côté Magic, un peu pareil, le lourd est de sortie avec Phantom, Full Gamer, Winter, Fluxion, Freedom, Soldier, Aslagor et Genesis. On rappelle les enjeux, une victoire des FDL et ceux-ci recollent à un point des Magic, une victoire des Magic et ceux-ci décrochent les FDL. C'est parti sur Standoff en neutral. Et on commence ce résumé avec la bombe en possession des MGK, en l'occurrence c'est Full Gamer qui prend le camo. Il se dirige vers la porte du bas, un grand classique. Pendant qu'on voit ici Aslagor à l'écran, accroupi à côté du rocher FDL, faire une diversion sur le middle. Pendant ce temps-là, Full Gamer en profite pour prendre la bulle, une bulle dont on va reparler un peu plus tard dans ce résumé. Il se retrouve maintenant bloqué à la porte et commence un long moment de solitude pour l'ami Full Gamer. Ses coéquipiers vont essayer justement de lui ouvrir la porte. Par exemple ici, Genesis en mangouste avec Fluxion. Ils y arrivent presque. Bonne intervention de Daemon sur Genesis. Et Fluxion est arrêté par Mepha à quelques centimètres de l'ouverture de la porte. Full Gamer toujours à la porte. Fluxion cette fois-ci prend le camo. Pendant que Genesis et Freedom double beatdown sur Daemon. Le Warthog FDL fait du ménage. Winter, qui s'est fait discret, passe par l'arrière. Pendant que Fluxion finalement ouvre la porte. Winter élimine Kakistos dans la base. Et Full Gamer, après 4 minutes d'attente à la porte, va amorcer et perdre sa bulle. Par Rafi, double stock. Et finalement, c'est Draven qui va récupérer la bulle et lui permettre de désamorcer la bombe en compagnie de Daemon. Et on se retrouve quelques minutes plus tard dans cette rencontre bien serrée. Cette fois, derrière le rocher FDL, à côté de leur camo. Grosse pression des MGK qui élimine sur ce coup Daemon. Le Warthog MGK tourne. Nightmare récupère la bombe pour les FDL, aussitôt éliminé par le Warthog. Et au final, les FDL qui attendaient leur camo, qui vient de respawn. Celui-ci est pris par Soldier, au nez et à la barbe des FDL. Au petit jeu de « tu me prends mon camo, je te prends le tien », cette fois, je voudrais en attaque les Magic. Les FDL avec le Warthog mettent la pression, éliminent la bombe. Et c'est cette fois pour les FDL, Daemon qui prend le camo MGK, s'empare de la bombe, bien soutenu ici par son Warthog, attaque en direct. Il marque un petit temps d'arrêt avant de rentrer dans la base, prépare sa stock, va en direct. Et la bombe est amorcée. Les MGK n'ont pas d'autre choix que de se mettre à découvert sur leur bombe. Ils arrivent à la désamorcer mais perdent 5 équipiers sur cette histoire. Et du coup, Rafi pour les FDL vient ramorcer la bombe en balançant un drain. C'est extrêmement bien joué. Du coup, les défenseurs Magic soit sont caviar, soit ne peuvent pas avancer sur l'amorce. C'est le feu à l'intérieur de la base MGK. Et finalement, 1-0 pour les FDL. Du coup, côté MGK, c'est tous à l'abordage. Il y a l'image de cette attaque qui finit très près de l'amorce. Les FDL récupèrent la bombe, se mettent en fond de base, à l'image ici de Kakistos derrière son rocher, et n'hésite pas à balancer la bombe dans le vide pour gagner un peu plus de temps. C'est de bonne guerre pour des FDL qui au final s'imposeront 2-1 dans cette partie titanesque. Sur les autres matchs de cette dernière journée, les Synergies s'imposent 4-0 face au KFR qui ont dû déclarer forfait suite à un manque d'effectifs. Les MDTF s'imposent quant à eux 4-0 face au Sinensis et les Échelons 3-1
face aux origines. Au classement, les MGK comptent 56 points, suivent à 1 point les FDL. La fin du championnat va être passionnante. Il reste 12 points sur le tapis et 4 journées à jouer. Suite à l'abandon des Power, les MDTF se retrouvent 3e avec 36 points, les KFR 4e avec 28, derrière les Échelons à 18 points, les Origines à 12 points, les Sinensis à 6 et les nouveaux venus, les Synergies, à 3 points. Vendredi prochain, les Origines rencontrent les Synergies, les Sinensis, les Échelons, les Magic accueilleront les mains dans ta face et les Katrina recevront les FDL. Sur I Love Go 2, 5 vs 5 bêta, le dénouement du championnat avec la victoire des Synergies 4-0 face au MDTF, des Échelons sur les FDL et des OSC sur les TSK. Au classement, les Synergies sont donc champions de la bêta face au MDTF, les Échelons sur la dernière journée prennent la 3ème place au FDL, les Origines finissent à 7 points et les TSK à 1 point. A vendredi prochain pour du gros BTB sur I Love BTB.com.